Salut toutes et à toutes et bienvenue sur Satinophone pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'après-match des Lions indomptables face à la Suisse. Un match qui s'est soldé d'un but à zéro. Les Lions indomptables débutaient leur mondial ce matin face à la Suisse. Dominateurs en première période, les hommes de Rigoberto ont été cuits à froid par l'efficacité suisse. Mais avant de se plonger au fil du sujet, n'hésitez pas à vous abonner, de partager, de liker si la vidéo vous a plu. Allez, c'est parti pour la vidéo. Coup d'envoi des matchs du groupe G de cette Coupe du Monde 2022. En attendant l'entrée en liste des favoris brésiliens face à la Serbie à 20h, le Cameroun d'Éric Maxime Choupo-Moting affrontait la Suisse de Shaqiri. Sans surprise, l'attaquant du Bayern Munich était le fer de la lance des Lions indomptables. Aux côtés du Lyonnais Karl Toko Ekambi et du joueur de Brentford, Ben Beaumont. En défense, les joueurs de Rigobert Song misé fort sur Franck Jambo Anguissa, excellent avec le Napoli, et leur gardien André Onana. En face, les Helvètes avaient aussi de quoi espérer un bon résultat avec le Monégasque Prel Ambolo, 7 buts en Ligue 1, Shaqiri Chaka Akanji et le bourreau de Kylian Mbappé en 2021, Yann Sommer. Les Lions indomptables impuissants face à Sommer, pas le temps d'avoir le temps additionnel. Round d'observation pour ces deux formations, obligées de l'emporter dans cette poule homogène avant d'affronter la Serbie, surtout l'ogre brésilien. La Suisse a été dominatrice dès l'entame de la rencontre. En monopolisant le ballon, André Onana a d'ailleurs rapidement été le joueur camerounais ayant touché le plus de ballons, les hommes de Song ayant pas mal de problèmes pour sortir le cuir. Cependant, si la Nati avait la possession paradoxalement, ce sont les Lions indomptables qui se sont procurés les occasions les plus dangereuses à la 10e minute, avec Yann Sommer à mal renvoyer une tentative de Brian Beaumont sur Karl Toko Ekambi qui n'a pas su cadrer son tir alors qu'Éric Maxime Choupo-Moting était seul à côté. 4 minutes plus tard, l'attaquant du Bayern Munich aura également sa chance, mais Sommer s'est une nouvelle fois interposé. Performance, le portier helvète n'a pas eu le temps de chômer durant cette première période, puisqu'après une frappe lointaine de faille, Sommer a dû s'envoler sur une frappe d'angle, dégagée en catastrophe à la 30e minute. Performance en compte notamment avec un Choupo-Moting très précieux dans ses décrochages. Le Cameroun aurait pu obtenir un pénalty après un tacle non maîtrisé de Toko Ekambi. Sur un centre millimétré de faille de leur côté, les Suisses ont dû patienter jusqu'à la 40e minute pour avoir enfin une action chaude à se mettre sous la dent avec une tête d'Helvédie sur corner. Dans le temps additionnel, Akanji a bien failli surprendre tout le monde sur corner, mais sa tête est venue flirter avec le but de Donana à la 45e. Le réalisme suisse, malmené lors des 45 premières minutes, la Suisse semblait davantage tétanisée à l'idée de perdre la rencontre. Mais c'était sans compte sur une efficacité clinique dès l'entame de la deuxième période. Souvent recherché par ses partenaires en première, Shaqiri a enfin eu l'occasion de porter le danger devant le but adverse. Et ça a fait mouche. Sur un centre parfait, Brel Ambolo a eu tout le temps d'ajuster Onana pour ouvrir le score à la 48e minute. Un but spécial pour le natif de Yaoundé qui n'a pas célébré une réalisation qui a fait mal au lion de sang. À partir de là, les Helvètes ont pu aisément percer le rideau et défensif. Dans le duel, le Cameroun a évité le pire grâce à Onana, auteur d'une parade magnifique sur un tir à bout portant de Vargas à la 67e minute.
face à une équipe nettement moins tranchante et touchée physiquement, Song a alors tenté d'injecter du sang frais avec les entrées de Vincent Boubacar et de Georges Kevin Okondo. À un quart d'heure du terme, en vain, endormi, l'Indien n'a jamais donné l'impression de pouvoir arracher le nul en attendant le match Brésil-Serbie. Une des cinq pays africains à avoir raté leur entrée en liste à la Coupe du Monde Qatarie 2022 après le Sénégal. Les hommes de Rigobert Song n'ont pas pu faire preuve de réalisme à ce match. Et on arrive au terme de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. On se donne rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Profitez de votre et ciao.